Mettant bout sur ton de rassemblé au souple, que l'entend séparé, t'en prie, ben loin de racine. Thank you for having me. So SB 1718 has been the harshest immigration bill that we have seen, harsher than the series of immigration bills that we saw back in 2010, 2011 with the Arizona bill under Jan Brewer. But what it originally was designed to do was actually a lot more draconian than what the final bill ended up being. And that's what's created a lot of fear and havoc in our immigrant communities on a state and local level. Originally, the bill was supposed to criminalize anybody that was helping, basically transporting, harboring, housing an undocumented immigrant in their home. They could be subject to up to a 15-year penalty. The final bill provision actually states specifically that a person who drives into the state of Florida, an undocumented immigrant, and really there's a very specific word, and it's an immigrant who entered without inspection. So the state bill itself uses the word inspection, and in federal law under the INA, there is a very specific definition for inspection that does not match the state definition of inspection in the bill. So there's a lot of controversy. We expect to see a lot of controversy with that specific provision because it is very vague and overbroad. As you stated in your introduction, the bill also does require hospitals to provide hospitals who receive Medicaid to report quarterly reports to the governor's office and to the legislature about the immigrants that are receiving assistance in their hospitals. However, what's very tricky about that bill is that there's a provision, and it's specifically written into the bill that allows for the hospitals to select decline to answer. So immigrants are actually allowed, you know, they're going to be able to decline to answer that citizenship question. But of course, right, you're telling immigrants who naturally don't seek a lot of medical attention as it is because they don't want to accumulate the bills, they don't want the attention, they don't want, you know, people asking questions about their immigration status. Now they're going to ask those questions despite the fact that they have an opportunity to decline to answer. So inherently, there's going to be a lot of fear in that as well. Another big provision of the bill is that, as you know, there are about 19 states and the District of Columbia that provide licenses to undocumented immigrants. And so there's a lot of immigrants currently in the state of Florida that have lived in other locations or have families in different states, and they've been able to obtain licenses from other states. This bill is now going to make it so that if an immigrant is stopped and they have a driver's license from another state, the police officer can exercise their authority as if the person was driving without a license, which means they can ticket them and or they can arrest them. So, I mean, those are like the big three things as well. You know, there's the section for non-citizens who potentially have their bar license right now are not going to be able to continue having their license, I believe, starting November 1st, 2028. So we have a lot of DACA recipients, as we know, who it's not a permanent legal solution to their status, but it does provide some stability through work permits and Social Security for them to be able to stabilize their lives. But so a lot of these individuals who are not U.S. citizens or legal permanent residents will no longer be able to hold licenses. It also creates a provision for law enforcement to have to mandatory cooperate with ICE on any any programs that where an undocumented immigrant might be processed. So there's a lot of things in this provision and in this bill. And what makes it really terrifying is the amount of provisions that it had. A lot of the previous bills that we've seen have focused on, like, you know, 2, 3, 4 items. This, you know, had, I think, over 12 provisions that directly affect immigration. Oui, nous t'avons annoncé ce là. Et que nous connaissons les états de Floride, sous la secoue, nous avons un document, immigration légale, mais à ça, les états de document, il va gagner un papier dans le mail. So, l'important que pour nous ne pas jouer avec quelle situation ça, parce que les états de Floride, un gouverneur, dissentiste, sont assez discriminants, les mêmes lois, ça, c'est pour les gens qui ont un papier dans le pays.
So, si vous avez parlé dans le pays, après ça, que vous avez un bon livre, vous avez des amis, vous avez dit comme ça que les amis, comme vous-même, vous n'avez pas de documents, vous avez dit que c'est notre état côté, les amis à bord au livre dans l'état Florida, vous avez fait des gens dans la prison pour 15 ans. Non pas seulement tout, si vous avez un travail, sous le travail, vous avez plus de 25 employés. Par exemple, vous travaillez non, tel an, il y a plus de 25 employés. C'est droit payé pour l'employé à checker dans l'IVPAS système pour que ce soit papier. Si vous venez côté, vous voyez que l'IPROM, vous avez des papiers, vous travaillez là, vous avez que cette licence hôtel là. Alors, c'est pour nous préciser, pour nous dire, avant ça, pas de question IVPAS là, c'est. Il n'y a pas de obligation, c'est dans la loi, il y a une obligation pour employer, pour bosser, pour chef de travail, vérifier d'après la loi, pour vérifier chaque monde qui a pris le travail. Donc, pour le travail construction, par exemple. Travail construction. Quand tu as gagné plus de 25 employés, qui n'a pas de papier mais qui est à l'hôpital, si vous êtes malade et qu'on a l'hôpital, alors malgré plus fort de monde qui n'a pas de papier, toujours t'es réticent, t'es un petit réticent pour aller à l'hôpital, mais il y a quelqu'un qui compte faire quand même, bien sûr, on a une maladie grave, il résigne l'aller, mais qu'on y a là, il y a demandé à un qui à l'hôpital pour répondre à la question. Pour répondre à la question, pour dire est-ce que vous avez des papiers, vous avez des documents légaux. Avec des lois, ça, Jean et Charles Chaussot-Dial sont une loi Pingongon, par une qui loi qui est montée dans la tête, monsieur, elle t'a fait lire. Donc, alors, moi, je cherche une information pour me connaître, c'est lui-même qui écrit, ou bien si son l'autre. Il y a l'autre monde qui t'est présenté. Il y a plusieurs états qui étaient fait loi ça déjà. Arizona a fait faire, Alabama a fait faire, Mississippi a fait loi ça. Tout le monde a fait une loi qui apparaît avec loi ça. Même si elle est plus loin, seconde licence, il y a l'autre état qui a licence. On met pas un document ou une licence pour pouvoir conduire, on va conduire dans l'état de Floride. Oui, si. Avec loi, ça va pas conduire sous une licence qui n'est pas licence Floride. Non, pas seulement tout, monsieur mettait 12 millions de dollars pour capable déterrer les gens qui, comme c'est si on a un département et si on compte en identification, il fait l'impossible pour avoir une identification. So, c'est pour ça que si on va prendre le sujet des réseaux, on va prendre pile côté, travailleur qui était déjà. Il y a l'autre côté que tu travailles, qui est capable de faire ça. Il y a un côté, par exemple, où tu travailles, quand tu travailles, il y a un village qui vit vite à cause de. Oui, même l'information que nous sommes passés pour là, et on t'attend des truck drivers qui disent pas venir délivrer dans Floride, et les gens qui travaillent dans la construction, qui viennent à quitter, l'État Floride à cause de loi ça. Donc, l'information que nous avons passé pour moi, c'était un reportage dans Democracy Now avec les Goodman, avec l'invité que nous avons. Et comme dit nous, toute information que nous avons passé pour dans l'émission ça, c'est grâce à Copyright Act 1976, là, section 107, là, qui permet que nous puissions partager l'information avec nous. Donc, son bagage qui est très sensible, vous connaissez nous bien famille, nous bien amis, nous bien monde qui immigrant le pays qui n'a pas bien papier, qui beaucoup bien papier. Donc, ça, son loi qui affecte nous, ça. Donc, ça. Et chercher côté que vous êtes capable de faire effort pour légaliser ou contacter nous pour connaître qui gens
parmi moyen que ou capable légaliser tout 305 603 9793. 305 603 9793. Si ou pas un papier légal ou pas un document légal pareil que comme ça, 305 603 9793, relé nous chalet chaud. Oui, pas oublier, très important. Ou même qu'à côté choix, nous pas faire choix pour faire consulter, mais ou bon réalité, réalité à ça veut dire sous paquet papier ou besoin relé office nous. Relé office là pour nous capable adresser question pour. Deuxièmement, pour qui ça a besoin relé office là sous paquet papier, non seulement ou affecté pour vous-même, mais moun qui responsable à la caille moun ou ya li capable souffrir tout. So, ça veut dire que des deux côtés faut nous organiser nous pour nous connaître comment la gérer situation ça, parce que les lois entrent en vigueur, nous grimper moun qui capable affecté. Voilà pourquoi que nous lançons un cri d'alarme à tout monde qui concerné, et particulièrement ou même qui pas de papier, relé office qui pour bon encadrement par contre office panois juin 2050, de pourrer les offices là, dans 305-603-9793, pour qu'ils soient besoin de là, pour nous capables bon encadrement. Ce n'est pas seulement ou besoin de licence, il faut des papiers qui nous bon licence là. Il faut des TPS ou soit les TPS, il faut des qui nous dit la même. Il faut gagner asile politique qui pour permettre que TPS rentre à l'action, pour gagner employment. Et access pour capable faire social sécurité, pour capable faire driver license. Ça veut dire son package, c'est toute une gamme de choses. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'office là dans 305-603-9793 pour nous capable adresser questions selon les normes et bonne protection appropriée par rapport à force que nous mettons pour nous résoudre le problème en face du grand monde, non mieux pour nous sortir. Les chaque monde a râlé du bout, Haïti dans la déroute. La misère vagabond. Tout pays a capable de faire. Personne va arriver. Yo prend chimène en mer. Yo kilbite dans fond bateau. Bien ça fondu dans l'eau. Yé vent cadrivé yo. Pas haïtien, c'est pas marin. Pendant que tu as tout même. Pour yo pas yé chimène. Pour yo, you tendresse pour yo, you faveur pour yo, yo l'honneur pour yo. C'est ça, yon ti geste pour yo. 305-603-9793, c'est numéro pour les noms pour nous capables de légaliser tout. Et bon bagay, bon bagay que nous t'attendons tout dans l'information que nous passons pour vous. Communauté pour yo, yo te font bagay. Nous même qui ça n'a pas fait. Avec loi ça que des centimes bien des centis ça vient pas faire c'est qui ça n'a fait parce que yo même yo te font bagarre collectivement côté que pour 1er juin là yo te gagne envoyé annonce by toute panyol et 1er juin pour pas acheter aucun produit pour pas acheter aucun produit en Floride là pour pas acheter aucun produit en Floride là qui sorti en Floride. Donc nous-mêmes, qui ça l'a fait? Bon, sur une question, qui ça l'a fait? Nous toujours été dans une ambiance victime, toujours victime. Depuis 200 ans, nous avons continué avec la question victime. Parce que nous n'avons jamais été dans la position pour nous résoudre le problème. Qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait? C'est un contexte. C'est un slogan qui peut montrer qu'il est temps pour nous pas faire paresse. Dans l'action que nous avons pour nous faire. Action civile est importante dans une société. Nous avons les avocats, nous avons les grands docteurs, les grands fonctionnaires qui ont mitigé dans la communauté comme des grands hommes. Nous allons associer pour nous rendre compte à problème. Nous, notre communauté a fait bel mouvement. Nous-mêmes, nous toujours apprendre en coupe, nous toujours apprendre pour éclairer en coupe. Nous avons besoin d'entrer bas. Ça veut dire qu'il faut nous prendre la haute disposition pour nous engager nous dans une communauté. Ça, c'est cette communauté la vivre. Oui, c'est ça. Si il y a des gens qui font des bagailles, parce que nous ne connaissons pas. Exactement. Si il y a des gens qui font des bagailles, relez-nous. Vraiment, pour nous associer ensemble. Pour nous mettre ensemble et puis pour nous faire un mouvement collectif qui a un poids. Parce que ça, c'est même ce que nous faisons. Ça, c'est ce que nous faisons. Yo campé aux États, yo campé, yo pas acheté rien qui fait en Floride,
et yo fait même une série de business. Donc nous-mêmes qui ça n'a fait pour frapper l'économie, parce que ça yo fait, son bagage qui prend bon impact direct dans l'économie américaine là. Nous-mêmes nous faisons un bagage qui a bon impact direct dans l'économie en tout, parce que nous fait partie de société américaine là. Alors bonsoir, c'est qui côté, c'est qui opinion ou Naptado? Bonsoir, bonjour Dominique. Mais ça me dit, nous sommes dans le monde. Ça veut dire si aucun bon a un monde qui sans papier dans machine ou dans flow black subject Allô, bonsoir. Bonsoir. Ta gouverneur Floride là, il est pas sorti dans la matrice, il y a un immigrant, non? Il est un monnaie, il est un cœur métallique. Bon, c'est pas ça pour nous dire, c'est pas ça pour nous dire, cher. C'est qui ça n'a pas fait. Ça va dire là, il n'y a pas de poids parce que c'est, il n'y a pas de sentir. Ils sont pas pour nous faire, même jour, il n'y a pas de faire pour nous sentir, ok? Nous n'avons pas eu une base économique capitaliste. So, si nous voulons faire un changement, si nous voulons retourner voir nous, c'est pour nous répondre avec de l'argent. Nou. Parce que pour nous répondre avec de l'argent, nous choisissons un jour que pour nous faire shopping, nous va sortir dehors, nous va dépenser comme qu'on y a que y a pas obligé chita puis attendre puis écouter. C'est ça que on les boycott là. Nous choisissons un jour, si on a une communauté qui est en opinion, ça, nous avons une communauté qui a besoin de ramasser mon vieux frère, de ma salle, relez-nous dans 305-603-9793. Quand on a une radio à toi, à 305-759-1091. Nous n'avons pas gagné de temps, nous pouvons passer rapidement la troisième partie. Je salue tout le monde qui a salué M. Philippe Boupio. Nous saluons nous là pour ici au monde t'as pas de cité non tout le monde nous quoi gain Hassan si m'pas trompé moi gain Louis Dorval si m'pas trompé moi gain Michlo nous gain madame Berto regardez bien monde ça cap suivre nous sur Facebook y a pas de cheveux avant chez que regardez bien monde ce marché bien yo comme pas elle sous bel monde y a pas de tirer ce qui était de cheveux bel monde. Allô, bonsoir, c'est... Allô, bonsoir, quelle opinion? Opinion, c'est bloquer des antis. Des antis, pas même, non, que cheval. Pas de problème, c'est collectivement pour nous faire. Nous pas qu'à faire un grand monde, c'est collectivement pour nous faire. Allô, bonsoir. Oh, bah, numéro, téléphone, vision de miel. Et pour répéter tout ça, va. Oui, m'a fait ça. Merci pour l'appel. 305-603-9793. C'est le numéro. Nous, pour les nous, pour nous capables d'aider, ou même qui paguent papier, et pour nous capables d'aider, résoudre le problème. 305-603-9793. Allô, bonsoir. Qui opinion? Allô, bonsoir. C'est où, même, chéri? Qui opinion? Opinion, chéri. Ma, ça me paraît demander les deux sens qui étaient montés au pouvoir ça c'est madame avec papa et maman qui t'a voté ou bien c'est peuple qui t'a voté. Bon, ça c'est une parole blague qu'on y a là, nous besoin sérieux, c'est pour nous faire un travail collectif et pour nous faire le sentir ça le faire.
Monsieur Guy, le coup pour le président, là. Je nous a voté pour nous mettre sûr qu'il va voter. Parce que s'il monte, parce que Guy, Alabama, Georgia, avec Arizona, qui est une loi qui paraît avec loi, ça qui est sorti là. C'est SB 1718. Si de ça, c'est une mort que le président Gonia, là, tu payes à tout le monde de la même manière. Donc, il est nécessaire que pour nous venir dans l'office là, pour nous venir citoyens, nous devons aller voter. Pour nous mettre sûr que nous protéger frères et sœurs nous. C'est ça, mais nous pouvons faire citizenship, relève-nous dans 305-603-9793 ou même qui peut faire citizenship parce que nous besoin d'avoir une réponse en bloc pour que plus de monde qui est citoyen américain qui pourra le voter. Oui, pas oublier, nous prenons pour occasion ça pour nous voir une grosse salutation, reconnaissance à un monde qui était qu'on nous parler sous pas gagne vote, sous pas gagne citizenship ou pas qu'à parler dans l'économie ou bien dans la société américaine. Monsieur Despinas, Kotoya, salut à vous-même, vous avez fait ça. Nous commençons. Je dis à nous bénéficier. Je dis à sous pas gagne 4 votes ou pas qu'à parler dans le système. C'est ça qui fait valoir de 4 votes. 305-603-9793 sous pas gagne citizenship ou relève-nous, quel que soit le dossier immigration pour nous capables de. Allô, c'est vous-même? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, une question dans la qui passe là. Ça nous donne avec nous là. Quand on a pas une piquette, bon pour saliver. Piquette là, il doit pas finir trop bon. Nous voulons faire un bagage qui a frappé l'économie. Piquette là, il a dans tout, mais pas finir trop bon. Piquette là, nécessaire. Puis que la société a besoin d'une force économique. Oui, parce que les. Comment on te dit ça? Faut le bon bagage qui accompagne elle qui a fait au senti. Oui, nous avons peut-être qui dit à bas des centistes, à bas SBC. Pas de problème, merci pour elle. Mais nous avons besoin d'une force économique. Nous avons besoin avec dollars. C'est ça, rapidement, qui t'aime passer dans la dernière partie pour moi, si m'a dit ça, me t'aime pour me dire. Rapide. Qui ça pour faire ou même qui entre dans le programme parole humanitaire Biden non et bien que quelques bagages qu'on besoin faire l'entrée premièrement on besoin appliquer pour qu'à travail acte social si l'on doit appliquer pour qu'à travail oublie appliquer pour social là ou qu'à toujours appliquer pour social là l'offre une jeune qu'à travail là et si ou change adresse ok il est important pour rapporter qu'on change adresse et le que ou entrer ici sous parole avec dans le programme et Biden, président Biden, non? Eh bien, si ou, pour une raison ou pour l'autre, alors, ça qui est important, bon, je vais te dire rapide. Il est important non seulement le, nous faisons un cap travail social, mes amis à l'école, à l'apprendre anglais, même si nous cherchons du travail pour nous faire, mais à l'école, à l'apprendre anglais. Et puis, qui ça encore? Si que nous avons pour une raison pour l'autre, malgré que nous avons pour nous faire ici, plan là, dans cette période de 2 ans, ça a été au bas nous. Hein? Mais si que nous avons voyager pour une raison pour l'autre, qui peut nous dire ça que nous avons là, ou nous rentrer ensemble avec nous en parole là, ou pas qu'à voyager avec même parole ça, il faut appliquer pour nous l'autre parole pour qu'à visiter l'autre pays sous besoin de sortir en dehors des États-Unis. 305-603-9793, c'est le numéro pour les noms pour nous capables d'aider avec toutes les étapes. Nous seulement gué là pour nous dire nous y en aller, à nous dire nous y en aller. On dit que nous allons. Bon, nous avons déplacé et nous espérons que la communauté a alerté tête et prise. Rélez-nous dans le numéro ça, 305-603-9793 pour tout contact, tout encadrement, toute orientation et tout service qu'on a besoin. On dit que nous allons. Nous allons activer, non? Nous allons activer le 1er juillet. Soit avant que nous allons activer, nous allons faire 305-603-9793. Songez que. Toujours dis nous que moi aimer nous, si nous oublions toute notre bagage de moins, l'homme parle encore, songez que moi aimer nous. Bye bye, merci, merci à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Qui t'aime. Merci, merci, merci à tout le monde. Yo guilbité dans un bateau. Bien ça tombe dans l'eau. Yé vent cadre de yo. Pas haïtien, c'est pas marin. Quand on tient qu'à tout même, on
yo pa gen chimè. Yo ti jès pou yo, yo tendres pou yo, yo favè pou yo, yo lonè pou yo. Yo zépol pou yo, yo parol pou yo, yo bonte pou yo, l'amitié pou yo.